Yubarta, la baleine à bosse. Un chapitre de la série documentaire Colombia Mega Diversa. Hola, soy Edwin Laverde, fotógrafo documental de la naturaleza y desde hace 20 años registro la diversidad biológica de Colombia, procurando siempre que la fotografía sea una herramienta de concienciación ambiental. Nuestro proyecto documental Colombia Mega Diversa consta de 6 capítulos y uno de ellos es sobre la ballena Yubarta, que estaremos realizando aquí, en el Pacífico colombiano. Hola, soy Beto Briceño, realizador audiovisual del proyecto documental Colombia Mega Diversa. En esta ocasión estaré junto a mi amigo y fotógrafo Edwin Laverde recorriendo diferentes lugares de la geografía en el Pacífico colombiano en búsqueda de la ballena Yubarta. La baleine à bosse se trouve dans tous les océans de la planète. Elles viennent de leur lieu privilégié d'alimentation au sud du continent antarctique. Année après année, elles arrivent sur les côtes chaudes du Pacifique colombien, après avoir parcouru plus de 8000 km afin de mettre au monde et d'élever leurs petits. Depuis quelques années, l'observation de ces grands mammifères est devenue l'attraction des côtes pacifiques, une des régions du monde ayant le plus de diversité biologique. Étant une nouvelle alternative économique pour les communautés locales, elle nécessite donc d'être régulée afin d'éviter les conflits possibles entre l'être humain et les baleines. Este capítulo busca que todas las personas se conecten con la ballena Yubarta, conozcan de cerca esta magnífica especie, su entorno natural y fomenten su conservación. Hola, soy Fernando Trujillo, el director científico de la Fundación Omacha. Llevamos más de 30 años trabajando por la conservación de especies acuáticas y terrestres en Colombia y en América Latina. Junto con Conservación Internacional y Fundación Yubarta, daremos todo el apoyo científico y logístico a este hermoso proyecto. Queremos que nos acompañen. El 5% de lo recaudado en el crowdfunding será donado a las comunidades locales como una contribución por la conservación de estas magníficas especies. Para la realización de nuestro documental requerimos de equipos especializados y el talento de más de 20 profesionales en el campo audiovisual. ¿Sabes por qué es importante nos ayudar? Las fotos y videos no son pas una fin en soi para los autores. Elles son un outil para hacer conocer la diversidad biológica que l'on peut trouver en las zonas del Pacífico y en las forêts colombianas. C'est un moyen de sensibilizar a la gente. L'équipe du documentaire est composée de personnes expérimentées qui ont dédié leur vie à compiler photos et vidéos de la faune, la flore et des écosystèmes colombiens, deuxième pays ayant le plus de diversité biologique au monde. Con tu apoyo podremos realizar este capítulo, Ballena Yubarta, de la serie documentale Colombia Mega Diversa. Pour la réalisation de Yubarta, nous avons besoin d'équipements spécialisés et du talent de plus de 20 professionnels de l'audiovisuel. Cela engendre un coût total de 82 000 euros. Nous comptons sur toi pour soutenir notre projet afin de réunir 21 000 euros dans un premier temps. Avec cet argent, nous financerons la recherche et la pré-production. Le film complet Yubarta, la baleine à bosse, sera disponible sur Internet, à des fins éducatives, sans but lucratif et en soutien aux communautés qui vivent avec les baleines sur la côte pacifique du Chocó. Yubarta est un instrument de conscientisation environnementale libre de diffusion. Grâce à votre soutien financier, vous participerez à la diffusion d'un message gratuit pour des millions de personnes de grande importance écologique. Merci pour votre aide.